Louis Ducruet, fils de Stéphanie de Monaco, et sa compagne, Marie-Oa Chevalier, ont dévoilé le prénom de leur premier enfant dans une photo publiée sur Instagram ce vendredi 7 avril. Louis Ducruet aura vécu une semaine riche en émotions. Mardi 4 avril, le fils de Stéphanie de Monaco et son épouse Marie-Oa Chevalier ont accueilli leur premier enfant. Il s'agit d'une fille prénommée Victoire. Le prénom a été dévoilé ce vendredi 7 avril par le couple lui-même qui a partagé une tendre photo du bébé sur Instagram. Notre petite famille s'est agrandie avec l'arrivée de notre petite Victoire, ont-ils écrit. Sans grande surprise, les messages de félicitations ont fusé dès la publication de ce post. Félicitations à vous deux, mes meilleurs vœux à la famille, bienvenue Victoria, une belle victoire, félicitations, félicitations à vous deux et bienvenue à votre petite fille aussi doux prénom, toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue Victoire, quel joli prénom, peut-on ainsi lire parmi les commentaires. Une envie de paternité déjà pressante pour Louis Ducruet un an avant la naissance de sa fille. La naissance de la petite Victoire est une consécration pour Louis Ducruet et sa compagne Pauline qui ne cachaient plus leur désir de famille, un an avant la naissance de leur fille. Dans une interview à Point de Vue en avril 2022, les deux tourtereaux s'étaient confiés sur l'envie d'avoir un enfant, nous y pensons, bien sûr. La pression est forte entre ma grand-mère paternelle, ma mère, celle de Marie, ses deux frères, mes sœurs qui nous posent régulièrement la question. Cela fait déjà plusieurs années que je désire être père. Marie souhaite attendre un peu. 30 ans serait le bel âge pour concrétiser ce projet. Louis Ducruet est en état de choc à l'annonce de la grossesse de sa femme et ce fut chose faite car en 2022, Louis Ducruet et sa compagne ont tous deux atteint le cap de la trentaine. Et, comme par miracle, Marie-Oa Chevalier, qui a fêté ses 30 ans le 28 décembre dernier, a annoncé être enceinte de son premier enfant. Son mari était bien évidemment le premier à le savoir. Comme elle l'a confié dans une interview à Gala en décembre dernier, quand il est rentré à la maison, je lui ai dit, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi, tends la main. Il était comme en état de choc, a-t-elle déclaré. Son compagnon Louis, l'a lui-même confirmé dans cette même interview, j'étais très heureux, tellement choqué que je n'aille même pas réussi à pleurer. Je suis resté sans voix. Son père Daniel Ducruet et même ses sœurs Pauline et Camille qui ont explosé de joie, étaient tous aussi comblés, mon père, un émotif de première catégorie, a fondu en larmes, avait-il déclaré. View this post ton Instagram à post shared by Marie Ducruet @MarieDucruet, à lire aussi Stéphanie de Monaco grand-mère pour la première fois, son fils Louis Ducruet est devenu papa.